à la une de ce soir, la marche pacifique du 13 octobre de la CEMAS n'aura finalement pas lieu. Dans un communiqué, la coordination a annoncé le report qui intervient après une mission de bon office du Haut Conseil islamique et les conseils de leur parrain, Imam Mahmoud Diko. L'insécurité persiste toujours dans la région de Bandiagara. Sous menace terroriste depuis des mois, les populations des villages de la commune de Ségué fuient leur localité. Vous allez avoir les détails dans cette édition. Les forces armées de sécurité restent déterminées et engagées pour occuper les emprises des futurs ex-camps des forces des Nations Unies, notamment à Aguelok, Tessalit et surtout à Kidal, des visées pour lesquelles il n'y aurait aucune négociation. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. La ministre de la Santé et du Développement Social, le colonel Assaba Diallo Touré, a présidé ce mardi à Bamako le lancement des activités de la Journée mondiale de la vue et de la Semaine nationale de lutte contre la cécité. Cette journée vise à assurer une vaste mobilisation sociale et une grande sensibilisation autour des problèmes de la santé oculaire. Bakary Mcdibé pour le compte-rendu. Au Mali, la cécité représente un véritable problème de santé publique, mais aussi socio-économique. La prévalence est estimée à 1,2%, ce qui correspond à plus de 264 000 aveugles en 2022. La célébration de la Journée mondiale de vue coïncide avec l'élimination du trachome par le Mali comme problème de santé publique selon l'OMS. Ainsi, il s'agit à travers cette journée de renforcer les acquis. Parce que le trachome était pratiquement la première cause de cécité évitable dans le monde. Alors au Mali, les premières évaluations avaient montré que plus d'un tiers des enfants âgés de 1 à 9 ans avaient le trachome. Et près de 3% des femmes, c'est-à-dire 3 femmes sur 3, avaient la complication cécitante. Alors donc nous avons mis en œuvre la stratégie recommandée par l'OMS, appuyée par les partenaires. Et donc après 20 ans de lutte, nous sommes parvenus à atteindre le seuil d'élimination du trachome. Nous devons continuer à renforcer et à améliorer la santé oculaire de tous et de s'assurer qu'elle est pleinement prise en compte dans les initiatives vers une couverture sanitaire universelle, effective et opérationnelle. Cela permettrait à toutes les populations d'accéder aux services de santé dont elles ont besoin. À l'échelle mondiale, au moins 2,2 milliards de personnes ont une déficience de la vision de près ou de loin. Malgré les efforts fournis par les autorités sanitaires, des efforts restent à relever au Mali. Il paraît donc impératif de mieux intégrer les soins oculaires dans les services de santé nationaux, y compris au niveau des soins de santé primaire, dans le but de satisfaire les besoins d'un plus grand nombre de personnes, notamment par la prévention, le dépistage précoce et le traitement ainsi que la réadaptation. C'est l'aboutissement des efforts immenses et continus de plus de 2 décennies de mise en œuvre de la stratégie à 4 composantes de l'OMS. La chirurgie, l'antibiothérapie, nettoyage du visage et changement de l'environnement. En plus des programmes de lutte contre la cécité, l'existence de l'Institut ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA, relève d'une importance capitale nationale et sous-régionale dans le cadre du renforcement des capacités des prestataires de soins de santé oculaire avec l'intégration des techniques modernes. Nous restons avec les acteurs de la santé ou l'Alliance médicale contre le paludisme Santé Population, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé, a lancé officiellement sa campagne de sensibilisation et d'appui à l'investigation en réponse à l'épidémie de la dengue, couplée au dépistage systématique dans le district sanitaire de la commune 6 du district de Bamako. Cette activité a eu lieu ce mardi 10 octobre 2023 sur le site des déplacés internes de Sénou en présence de plusieurs autorités sanitaires. C'est ce que nous dit la Sindjakiti.
L'épidémie de dengue sévit actuellement au Mali et elle constitue une menace sérieuse pour la population. C'est pourquoi l'AMCP, SPI Aliments et ses partenaires ont initié cette campagne de sensibilisation qui permettra non seulement d'informer la population sur l'existence de cette maladie, mais aussi leur enseigner les manières propices pour se mettre à l'abri de cette pandémie. Bon, l'initiative est venue avec l'avènement actuel de l'épidémie de la dengue qui sévit dans le district de Bamako. Donc, comme vous le savez, l'ONG AMCP Aliments, c'est une ONG médicale qui intervient dans les domaines humanitaires, déjà au niveau des sites PDI de Bamako. Donc, on s'est dit que ce serait quand même nécessaire aussi pour nous de pouvoir appuyer les districts pour faire face à cette épidémie. Occasion pour les représentants de l'Organisation mondiale de la santé de faire le point sur les activités entreprises par son organisation dans la lutte contre cette pandémie. Selon lui, l'activité de ce mardi est d'une importance capitale. La prévention de la dengue repose largement sur la sensibilisation que nous sommes en train de faire, car il n'existe pas encore de vaccin ou de traitement spécifique contre cette maladie. La sensibilisation revêt en fait d'une importance très capitale pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle permet d'informer la population sur les symptômes de la dengue et sur les moyens de se protéger contre cette maladie. Les autorités sanitaires de la commune sud du district de Bamako ont salué l'initiative. Plusieurs cas de dengue ont été confirmés dans la commune 6, en en croire les médecins chefs. Hier seulement, au niveau de la commune 6, on a eu 9 cas positifs. Mais chaque jour, c'est chaque jour. Bon, j'ai pas la liste linéaire comme ça qui est là, mais hier seulement, on a eu 9 cas. Bon, aujourd'hui, on va faire beaucoup de tests. Peut-être demain, on va avoir beaucoup de cas encore plus que hier. Bon, c'est une maladie bénigne, ce n'est pas une maladie grave, ça s'apprend au palu. Mais quand tu traites un palu, ça ne guérit pas, il faut penser à la dengue. Donc, généralement, le traitement, c'est un traitement symptomatique comme les maladies virales. Donc, c'est pas une maladie. Mais il faut aussi lutter pour que ça ne soit pas une maladie grave. Quand on ne fait rien, ça va aller vers la gravité avec d'autres facteurs qui peuvent s'associer à ça. À noter que le projet est financé par l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement et mis en œuvre par AMCP SP Aliments en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et les DTC du CSCOM de la commune 6. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, la marche pacifique et républicaine de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko n'aura finalement pas lieu le 13 octobre prochain, comme annoncé. Ce report est le fruit de la mission de bon office du Haut Conseil islamique et les conseils de l'imam Mahmoud Diko. On en sait plus avec Awasanogo. La marche pacifique et républicaine de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko Simas est reportée. En effet, dans un communiqué diffusé ce mardi 10 octobre 2023, la CEMAS affirme qu'à la suite des missions de bons offices portées par le Haut Conseil islamique conduit par son président Chérif Ousmane Madan Aïdara, qu'elle a décidé de sursoir à sa marche pacifique et républicaine pour une transition civile et de soutien à l'armée républicaine prévue pour le vendredi 13 octobre 2023. Selon le communiqué, cette décision intervient à la suite des conseils avisés du parrain de la coordination, l'imam Mahmoud Diko, ceux de prôner la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Toutefois, précise le communiqué, la CEMAS a tenu à rassurer ses militants et sympathisants de rester fidèles à ses engagements, notamment le retour à l'ordre constitutionnel à travers la mise en place d'une transition civile, gage de démocratie et d'état de droit. Enfin, la CEMAS a invité l'opinion nationale et internationale à saluer la grandeur d'âme et la sagesse du docteur Cheikh Mahmoud Diko et de Chérif Ousmane Madan Aïdara pour leur apport considérable pour un Mali de paix. Mois d'octobre, c'est aussi un mois de grande mobilité dans les centres urbains du Mali à cause notamment de la rentrée des classes. Et c'est pourquoi l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, a saisi l'opportunité pour déployer des policiers sur les routes afin d'orienter les utilisateurs des deux roues vers les pistes cyclables et les voies qui leur sont réservées dans la circulation routière. Et par la même occasion, le directeur général de l'ANASER, accompagné d'une délégation, a effectué une visite de terrain ce mardi
pour sensibiliser les usagers. Amadou Diarra, Zakaria Omar Keïta. Des efforts ont été déployés pour mettre en place des infrastructures de qualité et pour accorder une place à chaque mode de transport. Malheureusement, certains utilisateurs, notamment les conducteurs de deux roues, n'empruntent pas toujours les voies qui leur sont réservées. C'est pourquoi la NASER, en collaboration avec le groupement de sécurité routière, a effectué cette visite de terrain pour sensibiliser les usagers. Pour emprunter les pistes cyclables et les bandes qui leur sont dédiées dans le cadre de la circulation routière. Il y a également des ouvrages de franchissement dont le franchissement est interdit à certains modes de transport. Donc là également, nous avons mis en place les policiers au niveau de ces ouvrages-là pour orienter les usagers de la route vers les tronçons routiers qui les sont dédiés. Lors de cette visite de terrain, le directeur général de la NASER et le commandant du groupement de la sécurité routière ont lancé un appel à tous les usagers. Au respect strict des règles élémentaires de la circulation routière pour renforcer donc la sécurité routière et leur propre sécurité du coup. Seul le respect strict du code de la route peut nous garantir une sécurité routière. Les usagers, quant à eux, ont apprécié l'initiative de la NASER. Une bonne initiative. Nous, les usagers, ça nous libère de circuler. C'est une très bonne initiative. Normalement, si on a eu à sensibiliser les gens, que les sanctions suivent. Il n'y a pas un Malien qui ne sait pas que là où les motocyclistes doivent passer, là, c'est là où les véhicules, les sauteramas passent. La NASER et le groupement de la sécurité routière entendent poursuivre leurs efforts afin de fluidifier la circulation routière et de renforcer la sécurité routière. Et à présent, des échos de nos régions. Et je vous amène de prime abord dans la région de Kaï et plus précisément à Kenyeba, où le complexe Lulo-Gungoto maintient sa performance pour le deuxième semestre de l'année 2023. Dans le cadre de sa rencontre périodique avec les hommes de médias, ce samedi 7 octobre 2023, le président directeur général du Barrick Gold est revenu sur la performance du complexe Lulo-Gungoto au cours de ce dernier semestre. Et selon lui, le complexe contribue énormément à l'économie du Mali sous forme de taxes, de redevances, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux. L'occasion a été également saisie par les responsables de la mine pour se prononcer sur le nouveau code minier. Omar Koïta. Les complexes Lulo-Gungoto continuent d'œuvrer afin que l'or brille pour le Mali et les Maliens à travers un partenariat gagnant-gagnant. Encore, on se pose la question, qu'est-ce que l'industrie malienne fait pour le Mali? Donc, la question reste posée. Toutefois, à son avis, il y a quand même la mine. Les mines font de grandes contributions à l'économie malienne. Et si on se réfère à toutes les taxes et les paiements directs qui sont effectués au niveau du trésor, on se doit aussi de poser la question où est-ce que toute cette contribution va. People should perhaps be asking where did all the money go. Et ça nous a fait un peu quels sont les défis auxquels on est confronté. Bon, globalement, on va dire que la réunion s'est bien déroulée et on est aussi satisfait en fait de tout ce qui se passe pour l'instant, malgré tous les défis qui nous attendent. Compte tenu de l'actualité, les responsables de la société minière ont donné leur point de vue sur le nouveau code minier adopté en août dernier. Si on dit on n'a pas été associé, c'est peut-être trop dit, mais en réalité, on n'a pas été associé. Le code a été fait, on nous a donné, et dans 3 ou 4 jours, on dit on s'est réunis pour discuter du code. Ce n'est pas un problème. On est parti, on a fait des propositions, ce n'est jamais ressorti dans le code. Et aujourd'hui, comme vous l'avez même si bien posé la question, comment ça sera appliqué? Parce que c'est vrai, on est un pays libre, indépendant, on peut faire ce qu'on veut de nos textes.
Mais malheureusement, nous, on n'a pas les moyens d'investir. En prélude à cette conférence de presse, les hommes des médias ont visité quelques nouvelles réalisations des complexes en faveur de la population, notamment le nouveau système d'addiction d'eau à Kunda. Avec ses 17 bornes fontaines à travers le village, cet ouvrage fait le bonheur de la population locale. Vraiment, nous sommes heureux de recevoir ces systèmes d'addiction d'eau. Auparavant, pour avoir de l'eau, il fallait aller jusqu'au bord de la route à plus d'un kilomètre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Près de 100 millions de francs CFA ont été investis à ce système d'adduction d'eau et plus de 17 bornes fontaines ont été installées à travers le village. Cet acte est beaucoup significatif pour nous. Au nom de la Fondation Nos Vies en Partage, le PDG de Barika a également procédé à la remise d'un chèque de 10 000 dollars, soit 5 millions de francs CFA, respectivement à l'Association malienne des amis et parents pour la promotion et l'éducation des enfants infirmo-moteurs cérébraux et l'Association SIRA, le chemin. Je l'annonçais également dans les titres, après la prise de la position stratégique d'Anéfis, les forces armées et de sécurité ne sont plus loin des objectifs qui leur sont assignés par les autorités. Il s'agit de l'occupation des emprises des futurs ex-camps des forces des Nations Unies à Aguiloc, Tessalit et surtout à Kidal. Des visées pour lesquelles aucune négociation ne serait possible, selon bien sûr les responsables de l'armée. Le commentaire est signé Roselyne Sebio. En effet, la semaine dernière, dans une déclaration, l'armée a justifié la campagne militaire en cours dans les régions de Gao et de Kidal. Il s'agit de la reprise de toutes les emprises initialement aux mains des forces onusiennes. Il s'agit plus clairement des camps de la MINUSMA d'Aguiloc, Tessalit et à Kidal que l'ONU quittera d'ici le 31 décembre. La reprise des camps est en discussion avec les responsables onusiens appelés à se retirer définitivement du Mali d'ici la fin de l'année, comme réclamé et obtenu par les autorités maliennes du Conseil de sécurité en juin dernier. La rétrocession de ces camps est considérée comme irréversible et irrévocable par les autorités qui précisent que tout est négociable, sauf la reprise des camps ci-dessus évoqués. Comme on peut le dire, les prochains jours seront chauds entre FAMA et ex-mouvement armé. Et oui, les regards sont désormais tournés vers la région de Kidal où les forces armées et les sécurités y ont lancé une vaste opération de reconquête territoriale. Malheureusement, les forces terroristes persistent aussi à semer la terreur, mais cette fois-ci dans les régions de Mopti et de Bandiagara où elles continuent de s'en prendre aux civils et a provoqué le déplacement massif des populations. Ces derniers jours, des villages ont été brûlés dans le cercle de Ségué. Aïssata Diarra nous en dit plus. En effet, traqué au nord où ont lancé les forces armées et de sécurité une vaste opération de reconquête territoriale, les forces terroristes continuent de semer la terreur dans les régions de Mopti et surtout de Bandiagara, où elles continuent de s'en prendre aux civils et à provoquer le déplacement massif des populations. Ces derniers jours, des villages ont été brûlés dans le cercle de Ségué. En effet, selon les sources concordantes locale relayée par nos confrères de Studio Tamani, des hommes armés ont attaqué le village d'Ambassa, commune de Ségué, le vendredi dernier, aux environs de 19h. Pas de perte en vie humaine, selon les habitants. En revanche, ces derniers précisent que face à la menace sécuritaire, les populations des 6 villages du plateau de la commune de Ségué ont fui la zone en ce moment précis de récolte. Hier soir, les habitants ont à nouveau alerté sur la présence des combattants djihadistes dans la zone de Kargi, Fatoma et Gundaga, tout comme dans la zone de Timissa et Lanfiala, qui a déjà connu des attaques affreuses avec malheureusement mort de civils. À cause de la proximité des frontières burkinabées, la lutte contre le terrorisme est devenue compliquée dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza.
Sport, avant de refermer cette édition, la Confédération africaine de foot a procédé ce lundi 9 octobre 2023 au tirage au sort de la phase finale de la Ligue des champions féminines 2023 à l'hôtel à Radisson Blu. 8 équipes, dont le représentant du Mali, l'AS Mandé, ont été reparties en 2 poules de 4. Nos représentantes évolueront dans le groupe B. Je vous propose ici de suivre la constitution des groupes avec notre reporter sportive Angelica Guindo depuis Abidjan. Ce sont les villes de San Pedro et de Korogo qui abriteront cette compétition africaine du 5 au 19 novembre 2022. Les Ivoiriennes têtes de poule du groupe A sont logées avec les Marocaines du Sporting de Casablanca, les Tanzaniennes de JKT et Kings et les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Quant aux Maliennes de l'AS Mandé, elles héritent du groupe B en compagnie des Marocaines de l'ASFAR, vainqueurs de la dernière édition Maroc 2022, de Apen d'Arkoa et les Équato-Guinéennes de Huracan. Ce tirage au sort s'est déroulé en présence du ministre ivoirien des Sports, Paulin Claude Danou, du secrétaire général de la CAF, M. Véron Moussengo Omba, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, qui représentait le président du COCAN, le ministre Albert François. Et voilà, ce journal est terminé. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Prochaine édition, demain à 19h. Je profite pour dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis Kita. Bonsoir et à demain.